Bonjour les amis, aujourd'hui petite vidéo sur le mot Java. Donc on va vous faire d'abord un petit roulage. Tout de suite, on va aller tout de suite sur le terrain pour rouler avec le mot Java. Et après on fera un petit récap du véhicule pour vous dire comment il a été conçu, comment ça fonctionne, les sensations de pilotage. A tout de suite. Tranquillement, alors logiquement, c'est bon. Alors nous voilà après le roulage, nos sensations après ce roulage. Donc on va regarder vite fait le véhicule de l'intérieur. Donc ça c'était une version roller cage, ça veut dire que c'est un véhicule qu'on achète sans moteur contrôleur. Et donc il a été équipé, on va vite fait jeter un petit coup d'œil comment il a été équipé. Il a été équipé de contrôleur de chez Corali, servo Corali en 50, c'est le 50, un peu 50 kg. Moteur Obi-Wing, le gros moteur Obi-Wing, donc hyper puissant. La voiture, elle est assez performante. Alors, c'est un comportement un peu spécial, le Moja. C'est un comportement, en plus, ça dépend des réglages, à mon avis. Alors là, comme il est réglé et tout ça, il est très joueur du cul. Il est constamment à se balader du cul. Je suis pas un grand fan. Moi, toutes les voitures que je pilote très régulièrement sont très stables du train arrière. Donc, c'est vraiment un pilotage très, très bizarre. Après, ça se manipule, ça se pilote plutôt bien. Vous allez voir, on a vu dans la vidéo, on a réussi à faire des petits sauts, on a réussi à rouler bien dessus. On a roulé sur le sable. Donc, sur le sable, c'est assez marrant. On voit le sable. Après, au niveau comportement, je pense que c'est les roues qui font ça. Puis surtout le phénomène qu'on a un châssis qui est très long, qui le rend donc un petit peu instable. Après, c'est un véhicule qui a l'air d'être relativement fiable. Sur ce véhicule là, moi j'ai pas eu de soucis majeurs dessus. On a eu le petit souci d'un cardan pendant le roulage qui avait tendance à sauter sur le côté droite. Je pense que sur cette voiture là, les noix de cardan sont peut-être un peu plus fragiles, ou je sais pas, peut-être qu'elle était marquée cette noix de cardan qui fait qu'il avait tendance à sauter un petit peu. En tout cas, mécaniquement, et c'est sur une base de tout terrain, hein, simplement on a rallongé le châssis, donc c'est un produit qui est relativement très fiable.
Je vous souhaite une très bonne journée. Continuez à vous abonner, les amis, sur la chaîne. Si vous avez des commentaires à faire sur le Mojave, des petits ressentis, vos ressentis sur ce véhicule-là, n'hésitez pas à le mettre sur la chaîne. À très bientôt, au revoir.